À la bourse de Francfort, Volkswagen, au cœur d'un scandale de tricherie au contrôle anti-pollution, s'est hissé de 0,58% à 112 euros. Après 3 jours de baisse consécutive, le géant allemand est épargné alors que ce sont désormais BMW et Daimler qui plongent. BMW a cédé 5,15% après la publication d'un article sur des dépassements des normes européennes d'émissions. Je crois que l'hystérie et la panique énorme autour de Volkswagen est terminée, affirme cet analyste. Le groupe va mettre de l'argent de côté en provision et les dividendes vont être supprimés ou au moins réduits. Les profits vont aussi être réduits, il n'y a pas de doute. Le montant que Volkswagen va finalement devoir payer sera gérable pour le groupe. Le DAX allemand a fini en net recul, dévissant d'1,92%, plombé par la chute des constructeurs allemands. Plus globalement, l'indice du secteur automobile européen a reculé de 3%, entraînant dans sa chute l'ensemble des places européennes.